team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans une nouvelle vidéo un peu spéciale et qui m'a pas spécialement été demandée mais qui me tenait à cœur parce que je pense que ça peut aider beaucoup de débutantes. Donc le but de la vidéo, je vais vous montrer sur deux doigts tous les gestes à ne pas faire et toutes les erreurs à ne surtout pas faire et reproduire. Et les bons gestes sur deux autres doigts, comme ça vous voyez vraiment correctement si vous faites des erreurs, si vous partez dans le bon sens ou si vous partez dans le mauvais sens. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider. C'est parti! Alors, voici la main sur laquelle nous allons travailler. On va faire le petit et l'annulaire en mauvais, donc en mauvais exemple, et le majeur et l'index en bon exemple. Donc je vous montre ces deux-ci en bon exemple et ces deux-ci en mauvais exemple. C'est parti. On va commencer par faire les cuties donc sur le bon exemple, et par contre à côté je ne les ferai absolument pas, donc je ne vais ni les repousser, ni les gratter, ni les couper. Donc ici, dans le bon cas du bon exemple, nous allons commencer par repousser les cuticules et on va les gratter ensuite avec l'autre côté du repousse cuticule. Donc voici, je gratte correctement ce qui est collé sur la plaque et entre la peau, comme dans toutes mes vidéos, je vous montre correctement comment je fais les cuties. Donc je ne passerai aucun embout et je vais simplement venir couper ensuite ce qui reste avec le ciseau. Donc il faut bien prendre la partie qui coupe un peu du repousse cutie et on va venir gratter au maximum. En tout cas, sur mes dernières clientes, je fais quasiment que ça. Pendant mes coachings, je montre quasiment que cette technique. Et les personnes en sont de plus en plus contentes parce que ça abîme moins la plaque que de passer un embout. Donc du côté du bon exemple, nous allons bien raccourcir l'ongle naturel et dégager le point de stress. Ce qu'on ne fera pas non plus à côté, pas du tout. Donc ici on va couper les cuties, donc ce qui reste et ce qui dépasse, ce qui va m'ennuyer pour poser le gel. Vous pouvez aussi très bien couper les cuticules après votre limage de construction, il n'y a pas de problème. Donc à côté, vous voyez qu'on n'a pas repoussé les cuties, on n'a pas gratté, on n'a pas coupé les cuticules et on n'a pas raccourci non plus le bord libre, mais on n'a pas non plus dégagé les points de stress avant de faire quoi que ce soit. Donc une fois que ça c'est fait, nous allons matifier l'ongle bien entendu. Donc le mauvais exemple, c'est de matifier l'ongle avec un buffer. Donc le buffer ne va pas préparer votre plaque d'ongle correctement comme un émeri. Le buffer va vous donner l'impression qu'il matifie l'ongle mais il va refermer les écailles. Donc attention, ça c'est vraiment à bannir pour l'adhérence. Ce qu'il faut choisir, c'est l'émeri ou une lime 100-180, mais pas un émeri ni un bloc polissoir. L'émeri va vous permettre de matifier la plaque et de relever les écailles. Et l'émeri, moi je préfère parce que c'est un peu plus précis. On sait vraiment passer dans tous les petits coins alentour des cuties. Donc personnellement, je préfère l'émeri plutôt qu'une lime pour préparer la plaque d'ongle. Une fois que tout ça est bien préparé, on va dépoussiérer au maximum et on va commencer à mettre les produits de préparation. Donc vous voyez ici, les deux prépas sont déjà différentes. Alors, du côté du bon exemple, on a une cutie qui est bien dégagée. Le côté du mauvais exemple, la cutie n'est pas dégagée du tout. Et on a encore des espaces un peu brillants. Donc là, le gel risque de se décoller vraiment. Je vais mettre le Natural Basique du côté du bon exemple. Et du côté du mauvais exemple, je ne vais rien mettre du tout. Donc évitez de ne rien mettre du tout, bien sûr. Au moins un Natural Basique. Alors, nous allons appliquer la base Repair Clear. Et au niveau du bon exemple, nous allons vraiment bien étirer la base. Et on va travailler ensuite avec un pinceau fin et on va faire les contours pour que la base soit correctement mise, bien rentrée dans les écailles de l'ongle. Donc pour qu'elle soit bien rentrée dans les écailles de l'ongle, il ne faut pas en mettre de trop. Et il faut bien l'étirer. Et du coup, les petits contours, ça va vous donner une précision vraiment plus correcte au niveau de la pose du gel par après et au niveau de la pose de la couleur aussi ensuite. Donc c'est très important de déjà à la base pouvoir faire un contour au fin pinceau. On va catalyser ceci et du mauvais exemple, je vous montre une belle grosse goutte de base. On en met beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, ça ne sert à rien. Ça va grossir le travail, ça va grossir la plaque et c'est pas pour ça que ça tiendra mieux, même si je sais que la base Repair est une base miracle. Donc on va tout simplement poser la base comme un gros cochon, ça va couler partout et on va absolument pas passer le petit pinceau pour mauvais exemple. Donc vous voyez que ça a coulé partout et que ce n'est absolument pas net ni au niveau des cuties, voilà.
tout dès le départ est mauvais. Donc je vous assure que quand on bâcle tout, tout de suite c'est plus compliqué. Alors pour enlever le chablon, voici le mauvais exemple de tirer de ce côté-là. C'est mieux de tirer de l'autre côté, du côté des petites ailettes. Et après, on découpe cette partie comme ceci. C'est parti, on va commencer par le mauvais exemple de chablon. Donc on le positionne sans regarder s'il est droit et on commence déjà à le coller de partout sans vérifier quoi que ce soit ni sans découper. Et bien évidemment, les deux petites ailettes en dessous ne sont pas collées l'une sur l'autre, elles sont totalement collées n'importe comment en fait. Donc ça va provoquer un mauvais sécœur. Donc on le voit directement à la fermeture ici que ce ne sera pas droit. Le deuxième, pareil, on l'applique et alors il est un petit peu trop vers le bas. Une fois que les petites ailettes sont collées l'une sur l'autre au-dessus, ça veut dire que le chablon est beaucoup trop bas. Et bien sûr, rien n'est droit, donc c'est une vraie catastrophe. On ne découpe pas non plus les côtés pour laisser apparaître le bourrelet de peau et pour avoir un sécœur plus serré. On va partir sur une forme carrée et donc le chablon là n'est absolument pas bien mis. Alors la bonne solution, c'est de couper au ciseau cette partie, de venir prendre ses repères. Donc un chablon pour un carré est un chablon droit sur le type de plaque que j'ai moi. Donc ma plaque est normale, elle va ni vers le bas ni vers le haut. Donc on va mettre le chablon, il doit être dans une direction droite, il ne doit pas être montant ni descendant. Donc pour qu'il soit droit, les deux petites pattes ici que je touche doivent être l'une en face de l'autre et ne doivent pas se toucher. Si elles se touchent, le chablon sera trop bas. Et si elles sont elles-mêmes beaucoup trop basses, le chablon lui-même sera en direction vers le haut. Je fais deux petites découpes ici au niveau du point de stress droite dans la direction de la longueur du chablon. J'enlève celui-ci et je vais prédécouper la petite lune de la forme de mon ongle ici au milieu avec le ciseau. Donc je prends les deux points de repère, je découpe la distance qu'il me faut pour pouvoir incorporer le chablon correctement sous ma plaque et c'est parti, on vient positionner le chablon correctement. Il est juste un peu collé ce qu'il faut et je vais commencer à coller les petites pattes d'en dessous face à face le plus possible. Ça doit être vraiment collé parfaitement pour que le sécœur soit parfait. Si bien sûr il y a un décalage, il y aura un décalage dans votre sécœur, il sera trop à droite ou trop à gauche. Donc ici c'est bien collé, on va commencer à serrer un petit peu en dessous, mais avant ça on va couper sur les côtés. Donc on vient au niveau du point de stress et on coupe vers le bas, non pas dans la longueur mais vraiment au niveau du point de stress en descendant pour laisser passer le bourrelet de peau. Donc pareil de l'autre côté, on va couper en descendant, on ouvre bien le chablon et de là on le resserre au maximum pour avoir vraiment un chablon à la largeur de l'ongle et non à la largeur du doigt. Ici au bout je vais un petit peu aplatir le chablon parce que c'est un carré, donc il faut que mon sécœur soit vraiment le demi, la moitié d'un cercle, un demi-cercle, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on va arrondir correctement, il ne faut pas que la fermeture du chablon soit trop serrée et fasse partie de la famille des amandes. Donc voici comment le chablon doit être positionné correctement avant de faire un allongement pour un carré. Vous voyez, l'ouverture est différente du coup qu'à côté. Il est mieux centré et un peu plus ouvert que de l'autre côté, il est trop serré. Voici donc mes chablons sont bien placés correctement pour l'index et le majeur et mal placés pour l'annulaire et l'auriculaire. Je vais prendre le fibre Pink Pêche pour faire l'allongement. Donc on va commencer par le mauvais exemple bien sûr. Donc là le problème c'est que j'ai trop de matière, le gel est déposé trop au milieu de la plaque, il devrait être plus en extension, donc il y a beaucoup trop de matière. Il n'y a aucune technique au niveau de l'allongement, donc on va juste déposer le gel sans trop regarder la forme que nous allons faire. Donc voilà, on va le déterminer après au limage, hein, ce qui est une grosse erreur parce que c'est pas du tout comme ça que nous devons faire un allongement. Il y a beaucoup trop de matière, donc j'ai dû me faire mal hein, pour pouvoir faire cette vidéo parce que j'ai eu du mal à vraiment travailler comme ça. J'ai été aidée par mes collègues qui m'ont dit ouais, tu dois faire ça. On enlève le chablon bien sûr vers le haut, ce qu'il ne faut jamais faire parce que ça fait très mal. Et je vous montre que le sécœur n'est pas très beau.
Alors, pour la version correcte, on prend beaucoup moins de matière, on vient la déposer vraiment à l'intersection de l'ongle et du chablon, et on commence à travailler la forme. On va vraiment créer l'extension dans la forme que nous souhaitons. Donc ici, un carré, donc je vais déjà créer ma forme avec mon allongement. Alors, je ne dis pas que votre forme en allongement doit être parfaite, parce que bien sûr, on va la limer, mais elle doit être presque parfaite. N'hésitez pas à la faire un poil plus long, et pour pouvoir créer à la lime votre longueur. Ce sera plus simple. Alors, on travaille bien avec la pointe du pinceau, on vient bien mettre de la matière partout, et au niveau du point de stress, on descend pour le secœur. Donc de ce point là, je descends la matière comme ceci et je remonte. Il faut vraiment bien descendre sur les côtés, c'est ce qui va vous donner un secœur correct. L'allongement est déjà presque fini, il est fin. Je regarde si mon chablon s'est pas réouvert avec la chaleur. On n'hésite pas à étirer ici au niveau du point de stress l'allongement. Et on va catalyser 60 secondes. Pour enlever le chablon, je mets du repousse cuticule parce que mon allongement est beaucoup plus fin qu'à côté, donc le chablon ne va pas s'enlever facilement. Et j'enlève le chablon par le bas. Voici le secœur qui est totalement différent d'à côté. Les deux doigts de bon exemple sont faits. On va passer à la construction. Donc pour la construction, pour le mauvais exemple, je vais prendre beaucoup trop de matière et je ne vais absolument pas faire de couche de lissage. Alors du coup, je travaille plus avec la pointe et je fais des mouvements arrondis, ce qui n'est pas nécessaire, mais on va pousser le gel, on va essayer de le pousser au plus proche des cuticules. Comme il n'y a pas de couche de lissage, ce qui se passe, c'est que le gel s'auto-égalise un peu moins et va moins vite se placer près des cutis. Automatiquement par l'humain. Du coup, c'est un peu plus compliqué, on se retrouve avec une rigole entre la construction et la cuticule. Alors on a vraiment la totale, hein, les cutis pas faites, la forme pas faite, je vous ai vraiment fait la totale des gaffes à ne pas faire. Donc la construction est faite, voilà, on l'a mis un petit peu plic-ploc sans trop réfléchir. Elle a un tout petit peu trop bien mise à mon goût, donc on va la pousser et l'aplatir un petit peu. On va mettre trop de matière devant, j'en vois souvent qui étirent du gel et qui se retrouvent avec un bourrelet devant. Alors donc le deuxième ongle catastrophique, toujours le mauvais exemple, il y a beaucoup trop de matière et alors on va faire des mouvements circulaires qui vont donner beaucoup trop de bulles dans le gel, comme ceci. Ça c'est le mouvement surtout à ne pas faire qui ne sert à rien. Et alors il y a toujours le gel qui a du mal à aller proche des cutis, donc je le pousse, et forcément en le poussant, qu'est-ce que je fais? Je touche la peau, ce qui est une petite catastrophe, parce qu'après, ou l'image, ça risque de faire mal, et je vous avoue que je me suis fait mal justement en essayant de limer cet ongle. Donc effectivement, il y a beaucoup trop de matière, et en plus elle est très très mal placée. Mais bon, c'est le but de vous montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire. Pour le bon exemple, on va enfin faire la couche de lissage qui va vous aider, qui va changer votre vie vraiment. Donc on vient juste appliquer une petite couche comme une couche de vernis, tout simplement une couche de base par exemple. On applique le gel de construction que nous allons utiliser, donc la même chose, le fibre pink pêche. Une fois que la couche de lissage est bien mise, donc il ne faut pas la catalyser sinon elle ne sert à rien, je mets la quantité nécessaire, donc pas trop, je préfère que vous en rajoutiez par après que d'en mettre de trop. Et on va commencer à élargir cette petite boule sur toute la largeur de l'ongle avec la pointe du pinceau. Et ensuite on va étirer sur la longueur. Et vous allez voir en fait qu'au final je n'approche pas les cutis, mais que le gel lui va s'auto-égaliser tout seul et va aller se glisser près des cutis tout doucement, sans mettre trop de matière. Et du coup, ou l'image, ce sera beaucoup plus simple parce qu'on n'aura pas de rigole entre la cuticule et le gel de construction. Et on devra moins aller insister aux images au niveau des cutis. S'il y a un tout petit peu trop de matière, je vous invite à étirer le gel à l'avant et avec la pointe à récupérer l'excédent et le remettre dans le pot. Donc tout simplement comme ceci. Quand il y a un tout petit peu trop de matière, c'est ce que je fais. Et après je continue à lisser. Il ne faut pas hésiter à regarder votre construction de partout, de gauche, droite, à l'envers, sur le côté, avant de catalyser. Ensuite, une fois que toutes les constructions sont faites, on va dégraisser avec un coton et du cleaner. Attention, ne jamais dégraisser avec du cleaner High Shine parce que c'est un cleaner où il y a de l'huile cuticule dedans. Alors ensuite, on va limer. Donc la chose à ne pas faire, c'est de limer sans regarder et de commencer par limer
les bords sur les côtés, les parallèles, parce que c'est quelque chose que nous limons tout à la fin pour garder un bon sécurité. Si vous le limez en premier, comme dans l'exemple ici, votre ongle va être très plat. Donc même si vous faites un bon travail jusque maintenant, mais que en limant vous enlevez directement les parallèles sur les côtés, c'est une grosse catastrophe, vous allez vous retrouver avec un ongle plat. Alors effectivement, comme rien ne va, ça va être compliqué de récupérer au limage. Je vous avoue qu'à partir du chablon, c'est pas faisable de récupérer une bonne forme. Donc là, clairement, il est de travers vu que le chablon n'a pas été vérifié au départ. Donc je vais essayer de faire un carré comme je peux en réduisant tout, c'est ce que tout le monde ferait. Et du coup, on se retrouve avec un carré beaucoup trop plat et des côtés mangés. Donc voilà. Passons au deuxième qui est très dur à limer parce qu'il y a beaucoup de matière, beaucoup trop de matière. Il manque beaucoup de précision dans l'allongement de la forme, donc on se retrouve avec un carré qui va être plutôt arrondi plutôt qu'un carré. Et la grosse erreur que je vois régulièrement, c'est des filles qui mettent la lime trop serrée vers l'intérieur pour limer un carré. Et du coup, elles se retrouvent avec des parallèles trop rentrés. Et ce n'est pas le but d'un carré. Les parallèles sont droites dans un carré. Donc ce limage est tout à fait mauvais. Ensuite, on prend la ponceuse et l'émeri et on lime par en dessous pour enlever l'épaisseur. Non, pas du tout. En fait, ça, c'est vraiment une grosse erreur. Pour une retouche, ok, mais par contre, pour une première pose, on ne fait pas ça. On n'enlève pas l'excédent par en dessous. On doit toujours enlever l'excédent par au-dessus. On ne passe pas d'émeri en dessous sur une nouvelle pose. Une retouche, oui, parce qu'on va remonter les ongles. Mais là, votre chablon est censé être bien mis dès le départ. Vous ne devez pas déjà commencer à remonter les ongles. Donc on va affiner le plus possible avec l'émeri, hein. Et bien sûr il faut aller proche des cuties pour enlever toutes les petites irrégularités du gel et des cuties qui ne sont pas faites. Et je vous avoue que ça m'a chauffé un petit peu, ça a fait mal du coup, alors qu'en général ça fait pas spécialement mal. Donc on dégrossit le tout à l'émeri et toujours passer en dessous alors qu'il ne faut pas faire ça. Voilà, j'espère que vous allez retenir et que la vidéo va être... simple à comprendre quand même et que ça va pas être confus. Je vous ai toujours mis les petites croix rouges quand il ne faut pas faire et le petit V vert quand vous pouvez faire cette chose là. Donc pour les ongles d'ensuite, les exemples qui seront corrects, on va dépoussiérer avant pour voir clair. Et pour le bon exemple, on va commencer à limer la longueur, donc avec une lime 180. Il faut des étapes de limage les gars. Ah, d'abord il y a ceci, pardon, je vais trop vite dans ma voix off, sorry les gars. Alors pour l'ongle du coup du mauvais exemple, je repasse et je repasse à la lime. Niveau forme on n'y est pas du tout, hein, mais voilà, tout vient du chablon malheureusement et de l'allongement. Donc c'est un peu la galère. Je vais enlever les petites parallèles et alors je vais vous montrer que si vous inclinez la lime trop vers le haut, vous allez enlever trop de parallèles et du coup ce ne sera pas bon. Il faut vraiment être absolument droite sur un carré. Voici le profil, c'est une vraie catastrophe. Mais bon, c'est le but de la vidéo, hein. Alors pour le bon exemple, enfin, je vais reprendre ma lime 180 et on va d'abord limer les longueurs. Donc les étapes de limage à retenir, en tout cas pour un carré, c'est longueur, parallèle, cuticule, l'image en portefeuille, donc le limage du dessus, on va dire, de la matière. Et puis affiner les arêtes que le limage a données et relever les parallèles. Donc, si vous ne savez pas ces étapes, n'hésitez pas à les noter. Donc retournez en arrière dans la vidéo et notez ces étapes. Donc les longueurs sont faites, donc le carré est droit, j'ai vérifié que le carré était droit en retournant ma main. Je vais venir faire les parallèles comme ceci, en tenant la lime bien droite par rapport au point de stress jusqu'au-dessus. La lime ne doit jamais être inclinée, vous devez toujours rester droite. Et on lime donc contre la matière, donc ce qui va créer un petit mur sur le côté. Je vais vous montrer ensuite. Donc on lime comme ceci. J'ai essayé de limer vraiment doucement pour que vous voyez les mouvements correctement, parce que quand je lime rapidement, on ne voit pas grand-chose. Voici, donc là, les parallèles sont droites, je vais faire les autres. Donc on vient un petit peu dégager le point de stress du gel qui aurait pu couler, on va dire, ou toucher la peau. Et on lime directement droit. Donc le carré, c'est facile à retenir, tout est droit. Voici les petits murs dont je vous parlais. Voilà, et alors c'est les parallèles que nous n'allons pas remonter tout de suite. Il ne faut pas les remonter tout de suite. Donc on prend l'émeri et on va faire les cuties. Donc je viens prendre le côté de la parallèle que j'ai limée
je fais les cuties et je connecte tout ça. Donc, normalement, si vous avez déjà été en formation remise à niveau chez Nice Compagnie ou en formation avec moi, tout ça, ça vous semble ultra clair. Plus clair que ça, vous ne pouvez pas. Donc c'est des étapes de l'image à bien retenir, et si vous limez toujours dans, si vous suivez ces étapes là chaque fois que vous allez limer, que ce soit en première pose ou en retouche, vous ne devriez pas être perdu et vous allez savoir tenir des formes correctes. Donc après, ensuite, une fois que les cuticules sont faites, je vais limer le dessus. Donc je démarre des cuties et j'avance comme ceci jusqu'à la pointe. Et en fait, si vous remarquez, je suis vraiment sur le centre de l'ongle, ce qui va me permettre d'affiner. Et ça va créer des arêtes à gauche et à droite parce que j'aplatis le dessus. Je pense que vous voyez avec la poussière en tout cas. Et ensuite, donc, je vais tout simplement arrondir un peu mon émeris et on va enlever ces fameuses arêtes sur le côté. Quand je lime cette technique, je vérifie aussi mon épaisseur d'ongle, comme ceci. Et vous voyez, on les voit un petit peu les arêtes sur les côtés, avant de continuer tout simplement. Comme ça, je check l'épaisseur et je veux la même épaisseur partout. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous faites d'une image, de vous arrêter de temps en temps, de toucher, de regarder, comme ça vous n'êtes pas perdu et vous voyez où vous en êtes. Une fois que ça c'est fait, je remonte les petites parallèles enfin avec d'abord une grosse lime et ensuite je vais prendre une fine lime comme ceci. Et je continue, comme ça c'est bien précis, et je reste toujours droite et je vais de l'extrémité vers le point de stress. Comme ceci. Ensuite, une fois que l'image est terminée, je plonge mon repousse cuticule dans du cleaner et je viens repousser les cuties, ce qui va nettoyer la cuticule juste avant de poser la couleur. Vous pouvez faire soit avec du cleaner et bien laisser sécher, soit avec du désinfectant. Toujours bien laisser sécher aussi. Avec la couleur casual, nous allons commencer par le mauvais exemple. On va en mettre beaucoup trop et on va la pousser. On va pousser le bourrelet de couleur vers les cuticules. Maintenant, comme la construction est mal limée et mal placée, les cuticules ne sont pas faites, la base est mal placée, on ne peut pas avoir un rendu correct avec la couleur, c'est quasiment impossible. Bien sûr, je ne vais pas faire les contours au fin pinceau, vu que c'est le mauvais exemple et qu'en général, quand on ne sait pas, on ne le fait pas, le contour de fin pinceau. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des irrégularités au niveau de la couleur et des contours de cuticules. La première couche est catalysée, je mets la deuxième toujours de la même façon, avec beaucoup trop de matière et beaucoup moins de précision encore pour les deux couches. C'est une vraie catastrophe. Et pour le bon exemple, on va appliquer beaucoup moins de couleurs d'un coup. Alors ici, vous voyez pour le petit doigt que j'en mets un tout petit peu de trop. Et du coup, ça coule dans les cuties. Ce qui arrive hein, en général, hein, ça peut arriver. Et ça, c'est parce qu'on commence trop près des cuties en général. Donc il y a trop de matière sur le pinceau. Et du coup, bah, il faut aller gratter pour enlever ce qui a coulé dans les cuties, ce qui est une vraie catastrophe. Quand votre cutie est propre et bien repoussée, ça va encore, c'est facile à enlever, mais quand ça ne l'est pas, bah, c'est compliqué à enlever. Donc vous voyez, je mets beaucoup moins de couleurs, je commence par les bords et je m'approche tout doucement avec moins de matière sur le pinceau des cuticules. Je vais laisser un bord libre entre la cutie et la couleur et je vais venir le remplir, ce bord libre, avec un fin pinceau. Je vais faire les contours des cuticules avec un fin pinceau et un tout petit peu de matière sur celui-ci. Pour la deuxième couche, je vais repousser les cuties encore avant de faire ma deuxième couche. Donc après avoir catalysé 60 secondes cette première couche, on va repousser les cuties encore une fois. Pour la finition, j'ai choisi de mettre la top of the top, c'est une finition qui est sans résidu collant. Donc effectivement, s'il y a beaucoup trop de matière sur votre pinceau et que vous déposez la matière comme ceci, ben, ça ne sera pas très net et ça risque de faire des bourrelets. Donc là, il y a beaucoup trop de matière sur le pinceau et de plus, je fais deux doigts à la fois, ce qui risque de couler, ça c'est une erreur. Je fais toujours un doigt à la fois normalement et je fais les petits contours au pinceau qui, sur le mauvais exemple, n'a pas été fait. Donc le bon exemple, c'est de pousser la matière correctement, de la déposer
et de la lisser. Donc c'est pas qu'il faut qu'il y en ait de trop, mais il en faut assez quand même, il faut pas trop les tirer. Et avec une petite goutte sur mon fin pinceau, je vais faire les contours de cuticule comme ceci. Avant de catalyser, je vais retourner le doigt aussi quelques secondes. Je n'hésite pas à regarder s'il y a un endroit où il manque de la matière. Comme ceci. Et ensuite, on va retourner le doigt, donc quelques secondes. Quand vous retournez le doigt, veillez à rester bien droite et bien centrée pour ne pas justement que la finition parte à gauche ou à droite. Je vérifie à la lampe si ma finition est bien mise et je catalyse 60 secondes sous lampe LED UV. Avec la petite huile, je vais aussi vous montrer comment la mettre et comment ne pas la mettre. Petite erreur à ne pas faire après finition, on ne vient jamais limer sur les côtés pour resserrer encore votre forme. Il n'y a plus de limage de mise en forme qui ne doit être fait, sinon c'est la catastrophe au niveau de la couleur. Et donc beaucoup de débutantes font cette erreur et le limage doit être fait bien avant. Et on met trop d'huile bien sûr et ça va toucher la finition, ce qui risque de la faire matifier très rapidement. L'idéal quand vous mettez votre huile, c'est de rester vraiment dans la zone de la peau et de ne quasiment pas toucher l'ongle que vous venez de créer, parce que la finition pourrait, si elle est encore un tout petit peu chaude, pourrait se matifier à cause de l'huile. Donc comme ceci, vous voyez, je n'en mets quasiment pas, du moins l'huile ne coule pas partout. Et pour une photo quelconque, je fais toujours pénétrer l'huile avec un Scotex et j'enlève l'excédent. Donc ça hydrate bien la peau, mais il ne faut pas laisser l'aspect brillant sur les photos. Comme ceci. Vous voyez la différence des deux. Du coup, on a la catastrophe sur l'auriculaire et l'annulaire. Et on a quelque chose de correct sur le majeur et l'index. Je vous montre aussi de ce côté, comme ça vous voyez le C-curve. Et ce côté, vous voyez que la couleur elle est mangée par le limage qui a été fait après la couleur et la finition. Ça c'est une vraie catastrophe. Et ici, vous voyez que comme il n'y a pas de limage, la finition est beaucoup plus fine et jolie. Ici aussi, vous voyez que le C-curve n'est pas bon du tout, il est beaucoup trop plat et beaucoup trop épais. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses et en tout cas que les erreurs à ne surtout pas faire, que vous n'allez plus les reproduire et que vous allez laisser ça de côté et prendre de bonnes habitudes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question, à me laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, à dimanche prochain.